studio. Bienvenue dans le Money Time. Tu connais le principe? Ouais, bien sûr. 5 questions décalées. Allez, t'es prêt? Ouais, toujours. Toujours, ok. Dans ton sac, si on l'ouvre, qu'est-ce qu'on peut y trouver? On peut trouver plein de trucs. J'ai quoi? J'ai une corde à sauter, j'ai deux paires de chaussures, j'ai des chaussettes en plus, de l'eau à boire, forcément. Rien de très sexy, quoi. Pendant un match, as-tu déjà pratiqué le trash talking? Ah non, pas trop, c'est pas trop mon truc, ça. Par contre, j'aime bien répondre quand un gars me trash, c'est marrant, quoi. En général, c'est assez drôle, quoi, surtout les ricains. Tu lui réponds quoi? Ah, je me fous un peu de sa gueule, quoi. Le temps mort le plus bizarre que tu aies vécu? Ah, le dernier temps mort, là, c'était sympa. Aujourd'hui, c'était assez marrant, quoi. Non, souvent, c'est des temps morts à la fin, quand on fait un petit système pour les gars qui jouent pas trop, souvent, c'est assez drôle, quoi. C'est assez marrant. Dans l'équipe, quel joueur a le plus de succès auprès des filles? Ah, ça doit être Lohan, je pense, à mon avis. Hein. Avec tous les produits de beauté qu'il prend avec lui, je pense que ça doit être pour quelque chose. Hein. Si tu étais un animal? Un tigre. Pour pas dire certains surnoms que j'ai, donc je vais dire un tigre, quoi, parce que c'est sympa. Ah, tu veux pas oser la réponse du surnom Grand Canard, c'est ça? Ah, ça c'est mon vieux surnom, c'est très très vieux ça, dédicace à Michel Fab d'ailleurs. Et avec quelle personnalité voudrais-tu passer une soirée? Je vais dire Michael Jordan, je pense. Merci Xavier.